Tendance baissière à la clôture de Wall Street. La bourse de New York marque une pause après avoir connu un très bon mois de janvier et après la hausse inédite du Dow Jones vendredi dernier. L'indice, on le rappelle, a dépassé le seuil des 14 000 points pour la première fois depuis 2007. À noter aujourd'hui, peu de statistiques américaines, sauf le redémarrage des commandes à l'industrie sur le mois de décembre. L'indice est en hausse d'1,8%. C'est un peu moins que prévu. Wall Street est marqué par le retour des inquiétudes en zone euro. Les opérateurs américains se rabattent sur le retour des tensions, notamment en Espagne et en Italie. Et puis plusieurs grands rendez-vous vont animer les marchés cette semaine avec les réunions des grandes banques centrales mondiales. Et du côté des valeurs, eh bien, le groupe informatique américain Dell cède du terrain sur fond de rumeurs de retrait de la cote. Et du côté des valeurs technologiques, eh bien, Apple, Facebook et Amazon sont en légère baisse. À noter, BlackBerry remonte légèrement. Et si on fait un tour enfin sur le front des devises, eh bien, après avoir beaucoup perdu la semaine dernière, l'euro poursuit sa baisse face au dollar. Il est en dessous de la barre des 1,36 $ à cause, eh bien, du regain de tension en Espagne et en Grèce.